Donc nous avons organisé un rallye piéton. Un rallye piéton pour des élèves de maternelle CP et CE1 dans le cadre de l'apprentissage de la sécurité routière. On n'a pas préparé cette journée avec les élèves en classe. On les a juste prévenus qu'on allait faire un rallye piéton à Cattenom, qu'on aurait des choses à découvrir, des choses à regarder, des choses à expliquer. Et puis, par contre, on l'a préparé avec les enseignants. Nous sommes rencontrés deux ou trois fois pour préparer le parcours, préparer les questionnaires et organiser la journée. Le secteur scolaire de Cattenom, ça veut dire pour nous toute la périphérie, donc Braye, Strophe-la-Grande, Puponges, Les Tourvilles, Gavis, Bayonne. Pas de trottoir. Concrètement, si je suis à la place d'un de vos élèves, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il va se déplacer, il va apprendre à se déplacer dans des situations variées. Par exemple, comme ici le départ, bordure de route sans trottoir. Ensuite, il aura du trottoir, des trottoirs où il y a des voitures, des endroits où il n'y aura pas de trottoir, mais en bordure de route, mais dans le village. Il y aura des passages pour piétons à traverser, des routes à traverser sans passage, des feux rouges et puis toute la signalisation du code de la route. Alors sur la route, on a trois grands domaines à travailler. Donc chez les plus petits, comme aujourd'hui, on va travailler les compétences du piéton dans un milieu réel, pas simplement sur des supports pédagogiques en classe. Ensuite, on a tout un domaine sur le passager, par exemple le passager en bus, lorsqu'on ira à la piscine, au stade, en bus, etc. Et un troisième grand domaine qui concernera plutôt les CE2 et CM, ça sera l'apprentissage du cyclo. On a participé à un défi lecture dans Cattenom qui consistait à chercher l'auteur, le titre du livre pour qu'on puisse après le retrouver dans la médiathèque. Grâce à des énigmes, on a trouvé des indices et après on a eu le nom de l'auteur, le titre. Eh bien, cet après-midi s'est déroulé de la façon suivante. Les élèves étaient répartis en 5 équipes et ils se déplaçaient dans 5 endroits de Cattenom. La gendarmerie, l'école maternelle, l'église, le petit terrain de jeu, etc. On y retrouvait des indices et ces indices permettaient de trouver le prénom et le nom de l'auteur, le titre du livre et, plus important, puisqu'il allait falloir le retrouver à la médiathèque, la cote du livre. Et ça, je crois que c'est bien que les enfants soient initiés rapidement à la cote du livre, parce que bon, ils vont être amenés à fréquenter dans quelques semaines le CDI du collège, etc. Et là, il faut savoir rechercher un livre par sa cote. Je pense qu'ils ont donc fait un bon travail d'équipe, et de toute façon, il faut le redire, je pense que ça les a incités au moins à lire ces livres et à venir fréquenter la médiathèque, ce qui, de toute façon, est toujours bien pour eux.